des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je célèbre votre mariage sur le débit. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le mariage. Ah, mais pas bon, me mettre dans une pauvre cité avec moi. C'est toi dans ce monde fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. La fin du mariage arrivera quand l'un de ce coup mourra. Ça sera la fin du mariage. Ça peut être du côté de l'époux et ça peut aussi être du côté de l'épouse. Mais nous souhaitons que cela arrive toujours dans la vieillesse. Article 543 qui complète l'article 541. La mort de l'un des époux ne donne lieu ni au remboursement de la dot et ni au paiement du solde. En cas de mort, comme stipule l'article 543, la dot sera irremboursable. On peut hériter une maison, mais hériter une femme intelligente, sage et polie, c'est un don de Dieu. Les années que vous passerez ensemble, le moment que vous passerez ensemble, ça sera le temps que vous consommerez pour votre mariage. Je t'ai demandé si vous allez accepter qu'un jour vous arrivez ici. Aujourd'hui nous sommes devant le mariage. Je pense que demain c'est pas mal. L'avenir de notre descendance est pas mal. Je serai un homme fidèle et fidèle. Fandi,